Xavier Roseren. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre. Depuis 2017, le gouvernement et la majorité ont voulu un renforcement de l'évaluation des dispositifs fiscaux afin d'en apprécier l'efficacité. La Commission des finances a d'ailleurs suivi cet objectif avec le printemps de l'évaluation. C'est dans ce cadre qu'avec ma collègue Olivia Grégoire, nous portons une attention particulière aux dépenses fiscales relevant de notre rapport spécial sur la mission économie. La note d'exécution budgétaire de la Cour des comptes relève d'ailleurs que sur les 77 dépenses fiscales de cette mission, qui représentent plus de 28 milliards d'euros en 2018, 27 ne sont pas évaluées. Donc on a un tiers des missions qui ne sont pas évaluées. L'exécution du budget sur cette mission appelle d'ailleurs des interrogations puisque l'écart entre la prévision de l'exécution est de 7% quand il est au global de 0,4% sur les 500 mesures fiscales de la loi de finances initiale de 2018. Dès lors, Monsieur le Ministre, je souhaiterais connaître votre sentiment sur le constat, sur ce constat, et vous interroger sur les outils que vous allez mettre en place pour opérer une évaluation plus performante des dépenses fiscales. MJ de Graab.